toujours reste dans vos mémoires. Et j'ai même pas eu besoin d'avoir une seule goutte. 1151 le tonneau. 1151 le tonneau, ça fait mal quand même. Big, 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 big comme un... Hey bitch, what's up? J'ai plus envie de jouer. Là, no joke, j'ai plus envie de jouer cette game. Hein. Et le problème, c'est que ces gens-là ont pignon sur rue et racontent de la merde et disent de la merde et sont là en mode « Ouais, mais t'inquiète, là, j'ai un business model. » Tu sais, je vais pas caricaturer, mais c'est des aboutines tiers. J'ai rien contre aboutines, mais tu sais, bac plus 8, qui savent bien parler, qui savent bien présenter. Y a rien dans le fond, mais tout est dans la forme. Et ils sont là en mode « Ouais, mais regarde ce visuel-là, ça va être trop bien et tout. Voilà, dans 5 ans, t'inquiète, tu seras truc. » Mon vaisseau est magnifique et féroce. Il m'a one shot! Il m'a one shot! Il m'a one shot! Il m'a one shot! Non, il m'a one shot! Je vais insulter tout le monde. Genre, je n'arrive pas à comprendre vraiment, no joke, sur un plan anatomique, comment une personne constituée à 99,9% de sperme peut agir comme ça, tu vois. Il y a un moment où non. Normalement, bah, t'es du sperme, bah, tu restes une flaque d'eau, tu vois. T'es dans un mouchoir ou dans un préservatif, mais t'es pas en master sur League of Legends. Il y a un truc que j'arrive pas à concevoir, tu vois. Genre, comment du sperme à 100% peut devenir humain, tu vois. Non. Moi, je le dis parce que j'en suis fier, mais en gros, j'ai... Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Ah, je regarde le chat et en même temps je me fais kick, c'est Unlucky. Et là tu te fais carry. Non, je vais flame le gars qui me carry. Parce que ma mère est une... Et je n'ai pas d'éducation. Parce que ma mère est une... Et je joue carry à des... Ma mère elle suce des... Oui mais moi je vais flame tout le monde. Le gars il pue la merde. Il solo lose la game, il est là en mode... Mais je vais flame tout le monde. Parce que ma mère est une... Une... Allez, écoutez-moi, écoutez-moi. Là la caméra elle est là, écoutez-moi. La prochaine game, je vais jouer Fiddle, je vais jouer classique, je vais rien dire, je vais jouer normal. Vous pariez que je vais avoir un gars en 0-3 qui va full insulter le jungle. Un gars avant la fin de mon clear, donc c'est 3 minutes. Je vois les 3 minutes, normalement ça va. Je vais avoir des gens qui vont mourir en boucle, je sais pas pourquoi. Avant que je finisse mon clear, il va déjà y avoir 0-2 pour l'équipe adverse. Et que une ou deux personnes, allez même 3 personnes je dirais, vote FF à 15 minutes. Imagine j'arrive à prédire ça et que je perde la game en 23-24 minutes. Ça serait dingue. Non, attendez, ça voudrait dire que dans ma team, il y a plutôt que des gars avec des KDA dégueulasses qui sont plutôt en série de lose et qui puent la merde. Et de l'autre côté, plutôt des gars en série de win, sauf leur AD, avec que des KDA plutôt bons et avec des séries de win. Non, il faudrait réfléchir à est-ce que c'est pas tout le temps la même chose. Est-ce que là, la prochaine game que je joue, il va pas y avoir exactement le même scénario. Ça serait dingue. Parce que si Solari n'était pas dans la ligue au début de la LFL, la LFL n'aurait jamais vu le jour. Et je le dis en étant honnête, là tu vois c'est XQC veut aller en LFL, c'est parce qu'il y a la K-Corp. Si la K-Corp veut aller en LFL et qu'ils ont créé la K-Corp, c'est parce que Solari existait. Oh les râles qui les sauvent, MDR. Les râles il les a poussés, MDR. Oh marrant. Mais voilà. Bah, tu sais, tu meurs une fois. Tu te dis, bon, ça peut arriver, tu vois, erreur d'inattention. Tu meurs deux fois de la même raison. Il y a un moment où t'es con, mais pourquoi pas. Heureusement qu'en tant que support. Vas-y, mais par pitié. Par pitié, je suis support. J'arrive à outplay le mid et l'AD en face et ma team. Mère. Ah, les gens, c'est le hasard, les gars. Yo, les gens. N'hésitez pas à vous abonner et aux petits commentaires pour le référencement. Je vous laisse, je dois retourner un V9. C'était bien. Donc en vrai, je sais pas ce que voudrait Fiddle en LFL. Je pense que j'anéantirais les games, mais je suis pas sûr à 100%, tu vois. Et après, il y a trois moyens de percer dans Internet et tout. Soit t'es le pote 2. Bon, ça, ça marche, mais faut vraiment sucer des putes et avaler. Tu vois, moi, je sais que je suis pas fan. Je sais que ça peut vous surprendre. Vous pouvez être là en mode « Mais c'est un VS9 God, ce Fiddle !» Et là, vous faites tab et vous faites un VS9 God Fiddle. Ah ouais, c'est moi. Non, mais c'est vrai qu'en vrai, avec Fiddle, ça, c'est le genre de truc qu'il faut savoir parce que ça marche toujours et... Il y a des fanboys à la salle qui vous demandent des photos. Non, du tout. Oh, merde. Tu l'admires en secret? Ça doit être ça, frérot.
Sa vie, c'est exactement la vie que je rêve, de me faire des meufs jeunes. Ouais, c'est mon modèle dans ma vie. Genre de gagner plein de thunes et juste acheter une maison au bord d'un lac. Oh, les games de l'enfer! Oh, l'enfer sur terre, les gens! Ah, si Skyrim l'a dit, ça veut dire que c'est vrai, les gars. Je pense que t'es con, donc je vais t'expliquer vite fait. Ça, c'est ce que tu crois, tu vois. Ça, c'est ce que tu crois, t'es en mode... Oui, Rio est une bonne société. Si t'es bon, tu montes et tu vas monter. Et en fait, la réalité, c'est de te dire, tiens, ça fait 12 ans qu'il y a un matchmaking, que Rio Game est une entreprise et qu'ils essayent d'optimiser leur profil, et que du coup, ils ont tout intérêt à pousser les gens à avoir 50% de win rate, et du coup, tu vas très peu osciller ton niveau. Mais vu que tu vas faire des giga gaps de win, tu vas dire, non, mon vrai elo, c'est diamant 3, tu vois. Bon là je suis gold 1 mais c'est parce que j'ai fait 10 lose de suite. Oui, et quand tu vas faire 10 wins de suite, tu vas être diamant 3 et tu vas être là en mode ouais, je suis diamant 3, tu vois. M'a un peu soumis ce dernier message. En fait, ça s'appelle l'éducation. Je peux comprendre, c'est un concept que qui t'a l'air étranger parce que t'en as jamais eu et que t'en as jamais reçu et que bah t'es un peu une merde IRL, mais en fait normalement dans la vie, tu vois, quand tu fais de la merde, tu dois t'excuser, tu vois.